YouTube, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Moins 1. Il me faudrait quelque chose pour m'occuper de lui. On va essayer de lui envoyer une petite boule dans la gueule quand il passe. Ah non, parce que de toute façon, il a un bouclier. Il a un bouclier, mais le problème étant que... Il passe trop vite et surtout, j'ai peur qu'il m'arrache la tronche. Oui. Ah ouais, d'accord. Intéressant. Je peux pas l'arrêter. Oh, c'est galère. Ou alors je lui arrête le... Peut-être qu'en tapant sur le ventilateur, ça va lui stopper. On va tester. Non. Bon, bah écoutez, j'avais pas d'autre solution. J'avais pas d'autres idées. Donc écoutez, c'est comme ça. Hein. YouTube, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis pas sûr d'avoir fait une réintro, donc on va en refaire une. C'est aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. On trouve un nouveau plan d'assemblage giga. Aujourd'hui, je sais pas trop ce qu'on fait parce que on vient de sortir du tournage d'un épisode plus que marquant. On va pas se mentir. C'est tout simplement le précédent épisode que vous avez pu voir. Ouais, je suis Qu'est-ce qu'il peut y avoir ici? Pas grand chose hein, je pense. Bah, on va se barrer. On va débloquer ces racines et on va ensuite ressortir à la surface. Pour voir à peu près ce qu'on fait. J'ai retiré mon casque tout à l'heure. Évidemment. Link le vit pas très bien du coup. Ce qui est compréhensible. Du miasme par là. C'est pas fou. Pas fou de se balader ici. On voit rien. On voit mieux. Ok. Ok. Bon. Ce qui fait qu'on aura découvert quand même à peu près tout le nord, nord-est de la carte des abîmes. À peu de choses près. Et donc ça, c'est plutôt cool. Donc on a... En fin de dernier épisode, peut-être que vous avez découvert... Peut-être que vous avez quitté l'épisode... après à peu près 30 minutes le dernier épisode pour ne pas vous faire spoil mes hypothèses et ce que je voulais pardon vous avancer concernant la cinématique. Et donc on a découvert celle-ci et à l'instant celle-ci, ces racines là voilà, tout simplement on n'a pas fait grand chose de plus. Désormais il nous reste, oh là là là, j'ai l'impression de découvrir à chaque fois 10% de supplémentaire de la map. Que nenni, hein. On en a encore quelque chose comme 70% à découvrir. C'est immense. C'est incroyable. Même en me disant qu'on a le double de la carte de la surface en profondeur, bah, enfin le double, mais la même distance, enfin la même surface en surface qu'en profondeur, j'ai du mal à percuter qu'il nous reste autant de choses à faire.
À voir, pardon. Soit, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Très bonne question. On va réfléchir un petit peu. YouTube, nous revoilà au village de Zéro. On se dirige vers le petit diorama de Colton. De Kilton, pardon. Colton, c'est son frère. De Kilton, pour avancer un petit peu la quête. La quête des monstres. Puisque on a désormais une photo de Troglobelin. Ce dont il avait besoin. Alors, leurs mains sont énormes, je dirais même. Elles se suspendent, et ils se suspendent au plafond. Ouais. D'ailleurs, a besoin d'un peu plus d'infos. Sans image détaillée de ce Troglobelin, ça va être coton. Tenez. Bah oui, c'est ça, du coup. Wouah! Oui, c'est exactement ça! Quelle adorable créature! Ah, avec un beau dessin comme ça, je devrais pouvoir faire une sculpture. Pardon, c'était Rosalie qui parlait. Oui. Bah, tenez, écoutez. On va me demander de la poser, j'imagine. La statue. Alors, comment est-ce que je vais la poser au plafond? Pour que ça soit réaliste, il faudrait la mettre au plafond, la statue, mais... Ah, c'est marrant, et ça représente vraiment la position dans laquelle on le photographie. J'ai bien mangé. Sur la scène là-bas. Eh ben, je vais le faire. Allez. Je vais le faire pour toi, c'est pas grave. Terrifiant. Ah, on peut le mettre à peu près dans n'importe quel sens quand même. Ok, je suis pas sûr qu'il le fasse. Ah, je sais pas. Bah, ça passera jamais, ça. Attendez. On peut vraiment les positionner n'importe où? Bah non, ça tombe. On pourrait le mettre... Je sais pas, ouais, dans ce sens-là. Hein. C'est pas très... C'est pas pratique. Patrick, c'est pas très pratique, pardon, parce que ça, il va forcément choir, il va forcément chuter, et on peut pas le mettre au toit de la, sur le toit de la grotte, quoi. Et pour que ça soit réaliste, on peut pas le mettre n'importe où, quoi. Bah non, marche pas du tout. Ce serait dommage de le mettre sur le sol de la grotte. Ah, ça, la hitbox est un peu chiante. Là, je peux faire aucune rotation ni rien. Ouais, c'est très chiant. C'est très très chiant pour le coup. Le Bocoblin, j'avais aucun problème pour le positionner. Et le Troglobelin, ça soit réaliste. Ah, c'est parfait. Excellent. Parfait. Merci la hitbox buggée. Qui va bien pouvoir apprêter la scène pour moi? C'est bon. Oh, c'est excellent. Parfait. Qu'est-ce que tu as dit? Youpi! La mise en scène est parfaite. Très naturel, on dirait un vrai repère de monstre. Ouais, la grotte est un peu petite par contre, hein. T'as été un peu radin, je trouve. J'avais ça avec goût. Superbe. Présente-toi aux autres habitants du village. Ils vont être contents, je pense. Plus ça va, plus... Plus ça va aller, plus il y aura un décor bizarre au milieu de leur place de village. Je suis pas sûr qu'ils soient très contents. L'honneur de vous présenter une nouvelle espèce de monstre, le Troglobelin. Admirez la bête. Oh, une nouvelle espèce. Créature sauvage est donc ce qu'on appelle un Troglobelin. Une espèce de monstre qui a été découvert dans les grottes apparues lors du cataclysme. Regarde un peu cet oison à la couleur chatoyante qui vient parer son cuir épais. Belle bête, ma foi. Non, mais vous avez pas d'instinct de survie, hein. Je le répète, je vous l'avais dit déjà à l'époque du Bocoblin, et là, un Troglobelin, surtout gold, enfin doré, jaune, c'est pas bon signe, faut fuir. Accepte ceci. Oh, ça me répugne. Oh là là, dommage qu'on fasse ça pour ça, c'est vrai, j'avais oublié. Peut-être de recevoir un tel cadeau, mais je t'assure que c'est très utile. Ouais, c'est même pas étonnant, c'est décevant surtout. Alors, qu'est-ce que tu veux maintenant? On va pas savoir qui a pris ton pied. Exactement ce que j'espère entendre. Faudrait que tu fasses un effort pour les descriptions.
Mais tu veux quoi surtout? Tu veux une image? Une image de quoi? Tu voulais quel monstre? De l'Itoroc fortifié? Wesh. Ok, c'est tout? Ok. Ah bah ça va être compliqué parce que je suis pas sûr d'avoir un Itoroc fortifié dans les poches. Ah, à moins que? Peut-être. Alors? Ah ouais, ok, il en veut, il veut tous les joueurs possibles en fait. Est-ce que ça va être un... Ah non, ok. J'allais dire, je pensais que c'était un Kakuda des profondeurs, mais du coup ça n'aurait pas vraiment eu sa place. Très bien. Ouais, on va le positionner là-haut, on n'a pas trop le choix. Hein. Touche pas les autres, par pitié. Non? Du coup, lui, il est tombé? Non, du coup, lui, il est tombé? Non? Il était pas dans cette position avant. Ah non, il a bougé. Oh, c'est dommage. Sad. Ah oui, c'est vrai que depuis hier j'ai oublié de le recharger. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Ouais bon, c'est pas facile de faire une vraie scène réaliste hein, parce que bah forcément les sculptures tombent, elles ne peuvent pas être suspendues. Ah, ça correspond pas aux quêtes. Ah ok. Ok ok. Bon bah my bad. Je pensais qu'on y en avait une liste prédéfinie. On pouvait quand même lui montrer les images avant même d'avoir les quêtes. Mais c'est pas le cas. Soit. Ah, c'est marrant ça. On a l'icône. Ok, ok. Bon, très bien. Quête suivante. Les obscurcies. On va y retourner faire un petit tour rapidement. Parce que visiblement, on aurait une stèle à... comment examiner, explorer les ruines des obscurcies et trouver le lieu dont parle ce message. Personnel de groupe porter un mystérieux message. Mais de quelle stèle il me parle? Attendez, on va y aller. On va y aller. On va essayer de trouver cette stèle. Non, pour moi, en fait, on a plus rien à faire ici. C'est juste... Parce qu'en fait, on a aucun descriptif ou quoi que ce soit. Ça nous signale juste que on aura effectivement des choses à faire encore dans les ruines pour lui. Une fois qu'on aura trouvé les deux autres pouvoirs des sages. C'est... Ok. Maintenant on sait. YouTube de retour, nous sommes désormais au domaine Zora, puisque on a quelques missions encore ici. Notamment une donnée par Nelsis. Sa femme, c'est paumé, je crois, de mémoire. Il décide de prendre l'exemple sur lui. Dès l'aube, elle part en vadrouille, alors c'est possible qu'elle ait trouvé un endroit tout léger où elle se tient. Quoi? Hein? Hein? Tu es ravagé, toi? Jour de la terre avant qu'elle traverse le pont à l'est du domaine. Celui-ci, donc. Et ici, il pleut toujours. Super. C'est vraiment un plaisir. Donc, faut retrouver sa femme à lui. Très bien. La quête nous dit quoi? Apparemment, elle est sortie en fredonnant une chanson.
à propos d'un lieu tous les jours où il n'y a qu'à sautiller. Avant de traverser en courant le pont est du domaine. Eh ben écoutez, on va essayer d'écouter si ça fredonne par-ci ou par-là. Ça va pas tomber par là. Et c'est Marjorie, le nom de sa femme à lui. À propos d'un lieu tout léger où il n'y a qu'à sautiller. Un lieu tout léger où il n'y a qu'à sautiller. Alors là, comme ça, moi je pense naïvement. Pardon. Au chemin où on n'a pas de gravité. Aux îles célestes où on n'a pas de gravité. En tout cas, on a une gravité modifiée. Puisqu'on nous dit. Un lieu tout léger où il n'y a qu'à sautiller. Je pense sincèrement que c'est là-bas. Donc on va essayer de remonter là-haut. Dommage. On va essayer de monter là-haut. Qu'est-ce qu'il irait foutre là-haut en fait? C'est en plus pas du tout par là où il faut aller. Qu'est-ce que tu vois, toi? C'est une pierre aussi lourde. Qu'est-ce que tu veux? Ah oui, ça, c'est une autre quête aussi. Non, mais j'ai trouvé des pierres bleues de grande qualité dans la grotte là-bas. Mais c'est qu'elles sont extrêmement lourdes. Une. J'arrête quand même d'avoir dit que les enseignements de Maître Nelto. Ah. Ok. On va s'occuper de ça. Tant qu'on y est. Puisqu'on est là, autant en profiter. Ok. Allez, on va chercher son caillou à lui. C'est une autre quête que je comptais faire ici de toute façon. Donc ça tombe bien. Un lieu tout léger où il n'y a qu'à sautiller. Ça n'a aucun sens comme description. Grotte du lac de barrage. Grand drift là. Non, on s'arrête. Là. Tant qu'on est là, on s'occupe de toi. Tes congénères ont l'habitude d'être un peu plus cachés que ça quand même. Mais bon, ça me va, je vais pas te mentir. Je vais pas me plaindre. Ok. Ouais, bah oui. Attendez. J'ai le câble juste là, donc autant en profiter, mais c'est juste qu'il va me traîner sur les jambes. Et j'aime pas ça. Pierre bleue. C'est ça que tu veux ? On va en prendre 5. Au cas où. Non, ça sert à rien. On le sait à chaque fois, on se va voir. Bon, c'est quoi? On va en mettre 2. Ça coûte rien. De toute façon, faut équilibrer l'embarcation.
Allez. On lui ramène ses pierres, il sera content, et ça nous fera une mission pour rondement menée. C'est cool qu'on ait de quoi construire l'embarcation juste à côté, franchement. Et en réalité, je sais pas trop à quoi servent toutes nos piles. Probablement quand on fait effectivement beaucoup d'embarcations, beaucoup d'engins, ça nous est probablement utile. Mais bon, pour mon cas, dans mon cas, je suis pas sûr que ça soit cette pierre. Mais oui, c'est la pierre qu'il me faut. Elle est pour qui la jolie pierre? Elle est pour moi. Il se parle à lui-même comme on parle à un chien. Elle est pour qui? Elle est pour qui la bobelle? Ok, transporter cette tour de pierre jusqu'ici. Oui. Allez, paye-moi maintenant. A-t-il une grande finesse décorée du blason des auras? Oh, intéressant. Je vais me mettre en route. Très bien. Merci pour tout. Ouais, super. Allez, ciao. Ok. Bon, intéressant. Intéressant. On n'a toujours pas la réponse. On va monter là-haut directement. Un endroit tout léger où il n'y a qu'à sautiller. Pour moi, je vois que là. Hein. À moins qu'il y ait une autre zone dans le domaine Zora que j'ai pas découverte, dans lequel il y a effectivement une gravité moindre. Mais ça m'étonnerait très fort. Donc je pense que... Ouais, il y a qu'ici. Hein. Il y a qu'ici où il y a une gravité flinguée. On va peut-être pouvoir descendre plus bas. Ça commence où déjà? Ça commence beaucoup plus bas. Je me rappelle plus où est-ce qu'on atterrit en fait. Parce qu'effectivement ici la gravité est tellement flinguée qu'on a juste à faire un tout petit saut pour décoller beaucoup. C'est à peu près ce qu'on nous raconte, non? Je sais pas, non? Ça c'est quoi ça? Pourquoi c'est... Pourquoi y a ce grand... Oh. Pour un Korogu, évidemment, quelle question là nous. Très bien. Mais ça répond pas à ma question. Ah, c'est cette cascade là que je cherchais. Il me faut des petites armes à une main parce que j'en ai marre d'avoir des grands trucs dans le dos. Est-ce qu'elle serait pas juste à l'entrée Oui, il y a la cascade. Un tout petit peu plus loin là. Est-ce qu'elle serait pas là? Ah voilà, on arrive de là, c'est vrai. Ah fuck. Quand j'ai vu les lumières s'afficher, avant de voir la deuxième, en parallèle là, je pensais que c'était elle. Mais non. Oh, il n'y a qu'à sautiller. Et puis d'un côté, ça me paraît loin quand même. Qu'est-ce qui nous ferait venir jusque là pour trouver sa meuf? À propos d'un lieu tout léger où il n'y a qu'à sautiller avant de traverser en courant le pont est du domaine. D'un côté, on est effectivement vers l'est du domaine. Et elle va pas utiliser le pont sud ou le pont nord-ouest pour accéder ici. Donc effectivement, elle utiliserait le pont est. Mais si elle est pas à l'entrée, je vois pas où est-ce qu'elle peut être en fait.
Elle est peut-être pas arrivée encore jusque là. Elle est peut-être juste en dessous. Non, parce que de toute façon, ça donne en plein milieu du lac. Et on était justement ici pour livrer les cailloux de l'hôte. C'est ça, hein? Non? On était ailleurs? On était là-bas? Où est-ce qu'on était? On était ici, non? On était juste là. Donc on est monté exactement là où il y avait. On a fait le chemin exact qu'elle aurait pu emprunter si elle avait voulu utiliser la cascade. C'est le chemin le plus court. Pont est, into escalier, into le petit ponton, et puis après à la nage, elle remonte à le courant. Alors là, franchement. Et je vois pas. Je vois vraiment pas où est-ce que. Je vois vraiment pas un autre emplacement qui pourrait correspondre à la description. YouTube, petite ellipse, parce qu'effectivement, j'ai regardé, je me suis permis de regarder. Une solution, je peux pas mentir. Parce que c'est une simple mission. Et je ne voulais pas passer l'épisode entier à chercher cette meuf, sachant que bah, c'est une mission. Donc, ça n'a vraiment aucun intérêt financier ou matériel. C'est purement pour faire le 100%. Donc, et j'avais bel et bien les bonnes idées, puisqu'en fait les îles jaillissantes, pardon, on arrive par là. Non, pas par là-bas. Par où? On arrive par là, juste ici. Et. Bah écoutez, hein, mais. Non, non. Même avec le son à fond. On n'entend rien fredonner ni rien du tout. Donc en fait, on ne peut la trouver qu'effectivement en utilisant son signal de fumée là. Qui n'a aucun intérêt d'ailleurs. Perche Max. Bonjour, qu'est-ce que tu fous là en fait? Quoi? Tu m'as fait peur. On s'est pas rencontré quelqu'un par ici. Dis, t'as vu? Même à ces altitudes, il y a des poissons. Et en plus, c'est des perches max. Rien que la moitié d'une suffit à me remplir l'estomac. L'autre, il s'inquiète, là, en fait. Donc tu vas gentiment redescendre. Oh, je l'ai oublié. Ah oui, c'est vrai qu'il... Oui, c'est vrai que c'est mon mari, j'avais complètement zappé. Oh, en même temps, il est pas marquant, t'as vu sa tête. M'étonne qu'ils s'inquiétaient, je lui ai pas dit où j'allais, ni quand je rentrais. Et je suis monté dans le ciel. J'ai juste organisé un banquet de poissons en l'honneur du couronnement du roi Sidon. Et puis... Il est en colère? Ah ouais, ok. Bon, montre pas ses émotions, donc tu sais sûrement pas. Mais arrêtons. Raconte pas ta vie! Raconte pas ta vie! On s'en fout! Voilà, bon, c'était mon hypothèse était la bonne. Encore une fois, comme quoi, les orages, j'ai du mal avec... je vais pas vous mentir. Que ça soit... le temple de l'eau qui me laissait pas utiliser le pouvoir de Sidon... sans avoir enclenché une certaine cinématique ou les missions des Aura en eux-mêmes en elles-mêmes pardon qui veulent pas me confirmer plus ou moins mes hypothèses. Et je pense que les Aura ne m'aiment pas. Sont en train de se fighter et ils vont plus être ensemble. Ça serait incroyable. Ça, mon rêve absolu. Link, oh, elle est rentrée. Oui, bah oui, je lui ai mis un coup de pied au cul. C'est à toi de te remercier infiniment. Je n'aurais jamais pensé qu'elle était sur une île céleste. J'étais si inquiet que je ne pouvais plus boire une seule goutte d'eau. Mais moi, quand je l'ai vu arriver, toute penaude, j'ai compris qu'elle avait tellement dû s'en vouloir sur le chemin du retour. Alors je lui ai pardonné avec, pour toute cette punition, une caresse sur la tête. Voilà. Attention, parce que...
On est en 2024, hein, c'est fini toutes ces conneries. Hein. Un peu surprise, je pensais pas que mon chéri d'amour était si émotif. C'est là que j'étais captivé par les perches Max. Et à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus que mon chéri d'amour pour qui compte comme avant. Eh, doucement, 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 doucement. On est... C'est les extrêmes. Il y en a un qui a voulu la frapper, et l'autre qui veut... Eh, safe for work, par pitié. On reste sur Zelda et on reste tout public, merci. Allez, moi j'ai cru, mais pour te remercier, j'ai cuisiné celle-ci. D'accord, merci infiniment. Oui, allez, fin de la mission. Ouais, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, scène de ménage. Oh là là, quel cauchemar. Allez, fin de la mission. Voilà, tout ça pour une brochette de perche Max. Vous comprenez maintenant pourquoi je voulais absolument pas y passer l'épisode ? Très bien. On va aller faire un tour dans le temple Zora pour essayer de récupérer les jambières Zora. Logique, direz-vous. Tu veux aller où, toi ? Ah. Bon, si c'est juste là... Ouais, mais c'est que si c'est juste là, je peux vraiment pas passer à côté. Enfin... Je veux bien, hein, mais il y en a quand même 1000 des Korugu. Va falloir les faire au bout d'un moment, là, nous. Hein. Donc... Faut donner un peu de sa personne, hein, on n'a pas le choix. Faut y aller. Allez. Ça nous en fait deux de plus. Ça c'est cool pour le coup. Qu'on ait... des choses comme ça, enfin des Korugu... Bah yes. Merci my Patronusis Wolf pour le follow. Merci beaucoup pour le soutien. Et bienvenue. C'est cool qu'on ait des Korugu comme ça linkés, enfin qu'ils soient par deux parfois. Ça nous permet de gagner deux noix Korugu d'un coup. C'est franchement une bonne chose, on va pas se mentir. C'est vraiment cool. Et bonsoir à toi. Ok, on est reparti pour les jambières. Direction le temple antique. Je crois qu'il va nous manquer le casque. Mais... Bah non, en plus c'est la dernière des quêtes Zora qui me reste. Alors le casque est peut-être trouvable ailleurs sans faire de mission. Écoutez. On va voir. On va voir, on va voir. Temple antique. Nous voilà. Ça c'est l'entrée, on se rappelle. On va mettre notre tenue Zora, enfin en tout cas le peu qu'on a, pour être à peu près efficace. Pour nager un peu plus facilement. Alors, j'ai une hypothèse. Puisque je me rappelle qu'à l'entrée du temple antique, on avait bypass une certaine, un certain tuyau. Donc, je pensais naïvement que c'était pour alimenter la grotte en eau. Mais il y a un monde où c'était plutôt pour des paires de jambières. Ah, super. On va voir. Mais par contre... Ah oui, non. Okay. J'allais dire, la map se met pas à jour. Oui, c'est normal. En fait, comme on n'est pas... On est entre deux eaux, en fait. Ah, c'est un mauvais jeu de mots, hein. Entre deux eaux, yes. La flotte. Bah, Radling. Pas de flotte. Blablabla, 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 blablabla. On s'en fout. Tu ne m'apportes rien. Ok. Que je me rappelle d'où était le tuyau. C'était probablement celui-ci. Non. Pas celui-ci. Alors. Sauver les planches aussi. Je connais Nintendo. Il serait capable de cacher un coffre sous une vieille planche comme ça. Ça nous dit quoi exactement? Ça nous dit... Où a été déposé jadis en offrande au temple Zora antique.
Alors là, là par contre, ça m'aide pas beaucoup. En offrande, ça peut pas être planqué quelque part dans un coin ou entre deux ruines, je pense. Ce serait plutôt en évidence sur une stèle ou... Ah, oui, non, c'est chiant, du coup, on va faire plutôt ça. Non, c'est pas mieux, en fait. C'est pas mieux, c'est pas mieux. Alors... Ok. Ah, de toute façon, je peux pas, là. Je pourrais pas. Galère cette affaire là. Ouais, si je la passe pas en jump, la corniche est trop perpendiculaire. En offrande, ça, pour moi c'est là-haut, mais ouais, c'est que ça, on y a déjà été. C'est pas un Korogu ça quand même. On va faire le tour. Il y a. Oh, putain. C'est pas facile de se balader ici, hein. Sans l'eau, en tout cas. Non, j'y arriverai pas. C'est très très chiant. C'est très très chiant. Le problème, c'est que je trouve même plus l'arrivée d'eau. En fait, de mémoire, c'était celle-ci que j'avais bypass. Évidemment, c'est pas une entrée, c'est pas une arrivée d'eau en fait. C'est... Bon. J'avais vu ça la première fois. J'avais jamais vu ce truc là la première fois, si. Je l'avais vu ça. Pourquoi ça me parle pas du tout? J'ai aucun souvenir de cet espace là. C'est le piote là. Tiens, tiens, c'est quoi ça? Tiens, tiens. Et attends, mais. Si c'est ça, c'est incroyable. Oh. Ok. Bah écoutez, C'est fou que j'ai absolument jamais vu ce... Ouais, ok. J'allais dire, pourquoi ma manette vibre? Yes. Bah, on va s'occuper de toi, écoute. Donc, on est là. Aide, doucement. Bon. Link. Il s'agirait de... savoir viser. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Bon, on va utiliser ça, hein. On va pas se faire chier. Voilà. Ouais, c'est incroyable que j'ai jamais vu ce trou-là dans le sol du... Dans le sol du temple, en fait. C'est incroyable que je sois passé à côté. C'est fou. Je reviens pas. Bonne chose de faite, j'ai envie de vous dire. Très bien. Écoutez, on a récupéré nos jambières Zora. On va aller s'occuper des trois frères dans les grottes, ou en tout cas des deux restants. Et puis ça sera la fin de l'épisode, je pense. Voilà, tout simplement.
Alors, par où on va aller là-bas? On va y aller par là, je pense. Ce sera plus simple. Ok. Non, on va y aller en volant, ce sera plus simple. Bon, on va s'occuper. De mémoire, c'était quoi? C'était des. Des Inox? C'était trois frères Inox? Et je sais plus du tout lequel on avait fumé déjà, le premier. Je sais plus si c'était un bleu, un noir ou un normal. J'en ai aucun souvenir. Ça va être ta surprise. La surprise de découvrir ceux qui restent. Et ça, pour le coup, je pense. Bah après, ça reste une mission en soi. Donc, les missions souvent sont pas très bien rémunérées. Ou en tout cas, sont pas. On n'a pas des récompenses incroyables. Mais bon, là c'est quand même 3 inox quoi. Donc je sais pas trop, on va voir. Je me rappelle même plus ce que j'avais eu. Ah non, parce que de toute façon c'est une mission pour les 3. Ouais, bon, je sais pas, on va voir. Là, peut-être. Yes. Ouais, allez, bon. C'est bon, vous allez pas me la faire à chaque fois. Hein. J'ai pas lu le nom de la grotte, pardon. Grotte du lac Corail. Quelqu'un a déjà voulu essayer. Mais... Oh là. Oh là, alors ça là-bas. Ça donne pas envie. Est-ce que ça prend feu? Non. C'est de la merde. Ah, j'ai menti. On a trouvé notre petit pote. Comment? L'Elusis. Un cristal de plus. C'est frustrant. C'est une bonne chose, je pense. Je suis pas en train de critiquer, mais en tout cas, ça me procure de la frustration. Toutes ces quêtes qu'on a à faire et qui ne sont validables qu'une fois avoir découvert toute la map. Je m'explique. Les Elusis, il faut pour finir la mission. Il est où? Il est là. La mission de Coltine. Il faut avoir découvert, bah, effectivement. Toutes les grottes et avoir récupéré tous les Elusis de la map. Pour avoir la troisième amulette de téléportation, il faut avoir découvert toutes les tours de la map. On lui fait des petits paquets cadeaux, ne vous inquiétez pas, vous allez voir, ça va être sympathique. Très sympathique. Ah. J'allais dire, est-ce que je vais avoir le temps d'aller. Et surtout le. L'aîné. Ok. Si lui c'est l'aîné, ça veut dire que. Les autres sont moins compliqués. Et lui en même temps, lui c'est le noir, donc c'est normal. Tiens. Et puis j'ai même un autre cadeau pour toi. Parce qu'on s'est vraiment cotisé, ça me touche que tu quittes l'entreprise. Donc il est pas loin derrière moi là, on est d'accord? Ah non, il est de l'autre côté. Tout va bien. Donc voilà, on est vraiment touché de ton départ.
J'aime bien l'émission qui se passe comme ça. Non, c'est trop bien. Trop pratique. Parfait. Hop, on prend une nouvelle. Et en plus, qui tape mieux. Non, lâche ça. Je veux juste champignon, moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici, là? Parce que, bah, pour le coup, il n'y a pas grand-chose de plus, si. C'est fou, quand même. Comment il est arrivé là? Par le trou, j'imagine, mais bon. Et surtout, comment il en ressort? Parce que... Il paraît coincé, quand même, là, une fois arrivé là. Il va mourir de faim. Personne ne va venir le nourrir. Je sais pas. Bizarre. Oh, bah, y'a pas grand-chose. Ça vaut pas vraiment le coup. Hop là! Mineur de père en fils, nous. Bon. Comment dire? On n'assure pas le rendement, par contre. Hein. C'est... Ah, attendez. Je pensais que je l'avais pas vu, lui. Bon, ça va être des flèches, hein. Ça va être... un opale. Ouais, voilà, des flèches. Super. Eh, je l'avais dit, hein. Je vous l'ai dit, je commence à comprendre Nintendo, ce qu'ils font. Bref. Je suis plus surpris, moi. Hein. Je vais sortir, là. C'est chiant. Comment je remonte, moi? Je me re-téléporte à la tour et que je retombe encore au... Oh là, ça m'arrange pas, cette affaire, là. Ah. Je peux. Je sais pas où ça mène, mais écoutez. Ça me rapproche de la surface, au moins. Pour ça de prix. Ouais. Ensuite. Ah, je peux. Super. Je continue. Je veux sortir. Pitié. Ah, parfait. Excellent. Toi, j'ai pas envie de faire connaissance, par contre. Ouais, en plus, t'as une ouïe incroyable. On va se rapprocher. Bon. Eh, silence. Non, j'ai même pas envie. Attends. Arrête. On va rejoindre ton pote. Va prendre ton bain. Et ton petit pote là qui me tourne autour depuis tout à l'heure. Je pense que je l'ai pas entendu. Voilà. Bonne chose de fait. Ça, c'est cool que les monstres savent pas nager. Pas tous en tout cas. Parce que les alphos, oui, évidemment. Mais que les bokoblins, les moblins savent pas nager, ça c'est cool ça. C'est une manière plutôt efficace de s'en débarrasser. Il y a eu du bruit non autour de moi là. Vous avez pas entendu quelque chose? Non? Ok, je suis peut-être le seul, pardon. Bah ça doit être celle-ci du coup. Une grotte là. Une lune de sang? Super, j'adore. J'adore. Oh, j'ai pas du tout failli mourir éclaté par un rocher venu du ciel. Mais pas du tout. Je vois pas de quoi vous parler. Wow. Petit coffre. C'est gratuit, on prend. Un long bâton renforcé. Ouais, contre ça, par exemple. Ah, ça, c'est intéressant, par contre. Non. Là. Diamant brut, silex, saphir et rubis, monsieur dame. Messieurs dames. Est-ce que l'élusis serait pas caché derrière ce truc-là, là? La réponse est non. Ah, Ripple Silex. Ah non, il est là-dedans. Attends, déjà, il est où le... Ok, que je marche pas dessus sans faire exprès. Ouais, il va être là-haut.
On me mène en bourrique là, je reconnais. Non, c'est bon, j'ai eu ce que je voulais. Hop là. Ok. J'ai mon cristal. Maintenant, je peux aller chasser le gros pépère qui est planqué par là-bas. 7. Hop là. Ça doit être le cadet, lui, je pense. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de bombe. Oh, c'est dommage. Bon, bah écoutez... Qu'est-ce que j'ai? Ça? Ouais. Arme à deux mains. Parfait. On va lui faire une petite rotation, luxation, contorsion du genou. Il va surkiffer. Vous allez voir. Est-ce qu'on peut pas lui faire le double coup d'ailleurs entre le genou et le coude? Non. On touche une fois, jamais pas deux. Bon bah voilà. Hein. Écoutez. C'est plutôt bien passé. En même temps, je tape à 40, hein, c'est normal que je mette cher. C'est normal qu'ils prennent tarif. Corne d'inox bleu. Bon, on dirait juste un amalgame de chaînes. Super. Je sais même pas. Non, ça vaut pas le coup, on s'en fout. Je vais dire, est-ce que je m'amuse avec des bombes ou quoi que ce soit? Non, les bombes, je trouve ça trop précieux en fait. Après, c'est pareil. C'est comme les bonbons XP de Pokémon. J'ose jamais les utiliser alors que je devrais. Mais, je sais pas comment dire, c'est... Ah, vous savez quoi? Attendez. On va utiliser ce grand maillet, là. On va le casser. On le rentabilise. Voilà. Tout ça pour 4 gemnox. Super. Bon, bah écoutez. On va pouvoir rendre notre quête. On va se téléporter ici. On va en profiter. Je pense que la prochaine fois, ça sera un épisode dédié au sanctuaire. Parce qu'on en a accumulé quelques-uns entre le nord d'Hyrule. Il en reste un ou deux ici en bas, dans le sud aussi. Je pense que c'est pas une mauvaise idée de faire ça la prochaine fois. Donc, dans les prochains jours, on fera un live slash un épisode dédié, du coup, au sanctuaire. On va rendre notre quête, on va s'arrêter là, pour cet épisode en tout cas. Salut! Ils sont partis, alors plus que ça, ils sont morts. Écoute ça, j'ai une bonne nouvelle. Depuis quelques temps, une fratrie de trois monstres géants s'était installée dans les grottes. Mais il paraît qu'ils sont partis. Alors, ils ont rejoint leurs parents, on va dire. Tu as chassé les trois monstres? Impossible, tu les as vraiment vaincus tous les trois, tout seul. Travaillant dans ce relais, j'en ai vu passer les imposteurs et autres vantards. Il me suffit même de les regarder pour les reconnaître. Et toi, je vois bien que tu ne me mens pas. Tu nous as débarrassé des monstres, laisse-moi te remercier au nom du relais. C'est pas grand-chose, mais j'espère que tu l'accepteras, en gage de ma gratitude. Je le gifle quand? Certains des monstres sont partis, alors les clients ne vont sûrement pas tarder à revenir au relais. Je ferai mieux de me remettre au travail. Bien sûr. Nous t'avons récompensé, mais si tu as besoin de Gemnox, j'espère que tu viendras te servir dans les grottes. Il y a plein d'autres endroits à visiter dans les environs. Nous avons aussi des animaux extrêmement rares ici. Alors profitez de ton séjour. Bon. Je t'ai bousculé, hein, seulement en partant. Ça aurait pu être bien pire, sache-le. Voilà. Je préfère juste te le dire. Faut t'emmener où, toi? Allez, YouTube, je vais manger du korogu. Non, je vais livrer ce korogu et voilà. je m'attendais hein, à que ce soit une récompense extrêmement nulle. On le rappelle, c'est une mission, c'est pas une quête secondaire. C'est deux choses différentes. En tout cas, c'est deux choses que le jeu considère comme étant très différentes. Les quêtes secondaires nous rapportent vraiment beaucoup de choses. Des rubis ou des items rares, ou en tout cas des items assez importants. Les missions souvent nous rapportent... effectivement, la plupart du temps, c'est un plat.
Que ça soit deux bananes, bon, je prends ça vraiment comme une insulte, mais soit. C'est pas bien grave. On aura quand même fait pas mal de missions. On se sera débarrassé de des missions Zora, on se sera débarrassé de cette mission-ci avec les trois cadets, enfin les trois frères Inox. Je vais virer ce que j'ai dans le dos parce que sinon je vais mourir. Ah, les arcs de golem n'attirent pas la foudre. Ok, et je vais juste déposer une banane ici. Puisque visiblement, il faut faire des offrandes. Bon, bah, on va faire une offrande alors. Putain de Korogu. On aura quand même avancé. Mine de rien, c'est pas parce qu'on fait des quêtes secondaires slash des missions ou en tout cas des choses qui ne s'apparentent pas à la mission principale qu'on n'avance pas. Je pense que c'est important de faire tout ça. De toute façon, je crois pas avoir annoncé faire le 100%, mais en tout cas, bah, on l'a fait dans Breath of the Wild. Ça m'étonnerait que j'essaie pas de le faire dans Tears of Kingdom. Donc voilà. Mais encore une fois, je peux pas le promettre ni rien du tout. On va voir comment ça va évoluer. Mais dans l'optique 2, ça serait bien de faire les missions qui nous restent. YouTube, merci de m'avoir suivi cet épisode. On se retrouve bientôt pour la suite de notre aventure. La prochaine fois, ça sera probablement un épisode hors série dédié au sanctuaire. Ou pas, on verra bien. Allez, YouTube, des bisous. Ciao.